Déposez dès maintenant votre intention de prière au 0892 46 00 12. Nous la présenterons pour vous à la grotte de Massabielle. Notre-Dame-de-Lourdes, je te salue. Notre-Dame-de-Lourdes, j'aimerais te confier ces enfants. Qu'il y ait la paix, la joie, le pardon, la conversion et la santé pour tous. Merci, Notre-Dame. Je vous confie mon fils qui a un rendez-vous très important aujourd'hui. Soyez auprès de lui. Je vous remercie. Bonjour, Notre-Dame-de-Lourdes. Priez pour Hubert Corline, qu'il a des bonnes nouvelles jeudi et qu'il soit guéri de son cancer. Je vous remercie, Notre-Dame de Lourdes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. Chers frères et sœurs, chers amis pèlerins, en ce mercredi, nous prions ici, à la grotte de Massabielle, la Sainte Vierge en union avec Sainte Bernadette, et nous méditerons, vous le savez, les mystères glorieux du rosaire. Nous prions en communion avec tous les pèlerins présents ici à Lourdes, ainsi qu'avec tous ceux qui nous suivent à travers le monde, par les divers moyens de communication, la radio, le site internet du sanctuaire de Lourdes ou encore la télévision. Nous allons dire ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, y a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et si vous le voulez bien, comme nous le faisons à chaque chapelet, nous offrons ces trois premiers « Je vous salue Marie » pour le pape François. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui, notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô Marie conçue sans péché, premier mystère glorieux, la résurrection du Seigneur. Détruisez ce sanctuaire et en trois jours je le relèverai, dit l'évangéliste Saint Jean. Ce même évangéliste ajoute que, repensant à cet événement après la résurrection du Seigneur, les disciples comprirent que Jésus avait parlé du temple de son corps. Vous savez que le temple de Salomon a été détruit en l'an 70 sous l'occupation romaine, mais c'est la violence et le péché qui ont accompli cette destruction. Alors, l'heure du temple de pierre, l'heure des sacrifices d'animaux, était révolue. Le nouveau temple, c'est Jésus-Christ lui-même, à travers lequel l'amour de Dieu se penche sur chacun d'entre nous. Il est le temple nouveau et vivant, lui qui est passé à travers la croix et est ressuscité. Le nouveau temple, la résurrection à venir, c'est le Christ et l'Église. Vierge Marie, puisses-tu nous renouveler dans ce mystère ? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui, notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Pauvres pécheurs, maintenant. Et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô Marie conçue sans péché. Deuxième mystère glorieux, l'ascension du Seigneur. Avant de vivre l'ascension, 40 jours après Pâques, Jésus a connu une autre ascension, celle de l'élévation sur la croix. N'avait-il pas annoncé le jour des rameaux, et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes? L'ascension du Seigneur, ce deuxième mystère glorieux, n'exprime pas une évasion ou une fuite vers les cieux, au contraire. Ayant d'abord été élevé de terre sur la croix, Jésus nous indique le chemin. Il nous élève vers lui. Il nous attire à lui en nous donnant un grand désir, celui du ciel et de la résurrection. Cela signifie qu'après son ascension, Jésus le Christ ne s'est pas éloigné de nous, au contraire. Grâce à sa présence auprès du Père, il est proche de chacun de nous, pour toujours, dans la réalité du quotidien avec nos croix et nos épreuves. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui vous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria patri et filio et spiritui sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour. Troisième mystère glorieux, la Pentecôte. 50 jours après Pâques, l'Esprit Saint descendit sur la communauté des disciples qui, d'un seul cœur, participaient fidèlement à la prière, rassemblés avec Marie, la mère de Jésus, et avec les 12 apôtres, comme le dit précisément les Actes des apôtres, chapitres 1 et 2. Dans cet événement, l'Église est devenue une comme la communauté de Pentecôte qui était unie dans la prière d'un seul cœur. L'Église est devenue sainte, non en vertu de ses mérites, mais parce que, animée par l'Esprit Saint, elle fixe son regard sur le Christ pour devenir conforme à lui. Puissions-nous poursuivre aujourd'hui cet élan missionnaire dans l'Église et dans le monde, en suppliant le Saint-Esprit de renouveler plus spécialement tous les pèlerins que nous sommes ici, dans ce sanctuaire ou dans le monde. Vierge Marie, donne-nous le désir d'une conversion véritable. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui, notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant, à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous. Quatrième mystère glorieux, l'Assomption de la Vierge Marie. Le mot en lui-même, assomption, vient du latin assumere, qui signifie prendre, enlever. Marie fut ainsi enlevée au ciel, corps et âme. L'utilisation de ce mot marque la différence avec la fête de l'Assomption, qui signifie monter, et qui se rapporte à l'élévation du Christ vers le ciel. Littéralement, Marie fut assumée vers le ciel. Les évangiles considèrent Marie comme la servante du Seigneur, puis disciple de son propre Fils. À présent, elle est aimée et regardée avec l'Église comme étant épouse du Seigneur, pour reprendre une expression de Saint Bernard. Avec ce mystère, Marie est notre espérance, comme le dit le Salve Regina. Ici, à Lourdes, prions pour qu'elle nous donne et nous redonne un grand désir en la vie éternelle et en la résurrection. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria, Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous. Cinquième mystère glorieux, le couronnement de la Vierge Marie. Avec ce mystère, Marie médite ce chapelet avec l'Église tout entière. Elle est même très proche des plus souffrants, comme elle fut proche de Jésus au pied de la croix. Nous pouvons donc considérer que nous ne sommes jamais seuls, car notre Mère et notre Reine nous accompagnent ici-bas, et spécialement, pour dire ça comme ça, à l'occasion de toutes les étapes de notre vie, dans les mystères joyeux, douloureux, lumineux et glorieux de notre propre histoire, parfois très compliquée. Que Marie nous aide non seulement à le réciter, mais à le dire de tout notre cœur, avec confiance, avec joie, la joie de la consolation. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui, notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous.
maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Maintenant, de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô Marie conçue sans péché, nous allons à présent achever ce chapelet en recevant la bénédiction du Seigneur. Nous pouvons bien sûr lui confier par l'intercession de la Vierge Marie, l'Immaculée Conception et de Bernadette et de tous les saints, toutes les personnes que nous portons dans la prière. Je voudrais confier plus spécialement une personne qui est actuellement opérée, Paulette. En vous bénissant, je bénis également tous les objets de piété que vous pourriez avoir achetés pour les offrir, chapelet, images pieuses, que sais-je. Prions le Seigneur. Dieu, dont la miséricorde est sans mesure et la bonté inépuisable, nous te rendons grâce pour les dons que tu nous as faits et nous en appelons, Maître souverain, à ta bienveillance. Toi qui exauces nos prières, ne nous abandonne pas, mais ouvre nos cœurs au bien du monde à venir par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, Saint-Joseph, et nous chantons les saints et les anges. En cœur glorieux, chante vos louanges, ô Reine des cieux. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Soyez le refuge des pauvres pécheurs, ô Mère du Juge qui connaît nos cœurs. Ave, ave, ave Maria.